الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères, chères sœurs, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dans ce direct, on va parler, inshallah, du croyant fort. Le croyant fort, selon le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il est meilleur auprès d'Allah subhanahu azza wa jal. Donc, c'est qui le croyant fort? Quelles sont les qualités essentielles d'un croyant fort parmi les hommes et les femmes? La première qualité, la force de la foi. La foi ferme, basée sur la certitude, al-yaqin, et tawakkul, la confiance absolue en Allah Azza wa Jal. Cette foi ferme libère le croyant de plusieurs choses, de la peur, car celui qui a la confiance totale en Allah Azza wa Jal et la foi ferme en Allah Azza wa Jal et la peur que d'Allah. Malheureusement, beaucoup parmi nous, ils ont peur de beaucoup de choses. Certains ont peur de l'invisible, du djinn par exemple, des fantômes, etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran que nous devons avoir peur de lui. Bien sûr, en même temps, nous devons toujours garder l'espoir par rapport à la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Donc la foi ferme libère le musulman, le croyant, de la peur, de l'angoisse, de la tristesse et aussi, bien sûr, de la dépression qui touche des millions de personnes dans le monde aujourd'hui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cette foi ferme basée sur la certitude et sur, bien sûr, la confiance totale au Allah Azza wa Jal. Parmi aussi les qualités d'un croyant fort, il reste stable, ferme, il garde toujours l'espoir face aux épreuves, pendant les moments des épreuves. Et nous vivons dans une demeure d'épreuves. Comme vous le savez, ce monde, c'est un monde d'épreuves. Et chaque personne a ses propres épreuves dans ce bas monde. Les versets ne manquent pas, les hadiths du prophète qui parlent des épreuves. Ne sommes pas au paradis, nous sommes dans Ad-Dunya. Et Ad-Dunya, c'est une demeure d'épreuves. Le croyant fort, il a certains moyens de la foi et des qualités des croyants pour rester fort face aux épreuves. Parmi ces qualités, bien sûr, la patience. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Innama as-sabru 'inda as-sadmatil ula ». La vraie patience, c'est au moment de l'épreuve. Ça se voit si la personne est patient ou non. Il y a aussi le fait d'avoir cette confiance totale en Allah Azza wa Jal, même pendant les épreuves. Et quelquefois, par exemple, on veut réaliser un projet, mais à la fin, on ne peut pas. Là, il faut revenir vers Allah Azza wa Jal. Allah, il nous dit « وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Il nous dit aussi وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. Quelquefois vous aimez quelque chose, mais il n'y a pas de bien dans cette chose pour vous. Et quelquefois vous détestez quelque chose, mais il y a un bien derrière. Et à la fin, il nous dit وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Et Allah, il sait, mais vous n'avez pas à le savoir. Vous ne savez pas. Il faut faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ne pas tarder, parmi aussi les qualités d'un croyant fort, aussi il maîtrise son âme, son nefs, dans toutes circonstances. Pendant la colère, par exemple, beaucoup parmi nous aujourd'hui ne maîtrisent rien en cas de colère. Et combien de couples ont souffert à cause de la colère, combien de familles, combien d'amitiés. Il y a certaines personnes, au moment de la colère, ils oublient tout. Ils oublient Allah Azza wa Jal. Ils oublient nos principes de qualité de croyant. Le vrai croyant fort maîtrise son nefs pendant aussi les moments de colère.
D'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que celui qui est fort, ce n'est pas celui qui a la force physique, mais celui qui se maîtrise en cas de colère. En cas de colère. Laysa ash-shadid bis-sur'a, walakin ash-shadid alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Qu'Allah nous accorde cette qualité. En cas de colère, il faut faire très attention. D'ailleurs, il faut avoir la patience, patienter devant les épreuves des êtres humains. D'ailleurs, parmi la patience, elle a trois catégories. La première, la patience par rapport aux obligations, pour ne pas délaisser les obligations et les œuvres qui nous rapprochent d'Allah. La deuxième, la patience par rapport au péché, s'éloigner de toutes sortes de péchés et de défauts. La troisième, la patience par rapport à nos relations humaines. Nous devons avoir cette patience. Et si on ne patiente pas, alors... Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que la personne qui se mélange aux gens et qui patiente par rapport à leur nuisance, à leur mal, il est préféré par Allah subhanahu wa ta'ala. Il est meilleur auprès d'Allah azza wa jal. Mais on a besoin de patience. Mais aussi, on a besoin de sagesse. C'est la sagesse qui nous facilite la tâche. Quand il faut parler et quand il faut éviter de parler. Quand il faut agir et quand il faut s'éloigner de la personne pour ne pas tomber dans certains pièges de shaitan et certains pièges aussi de nefs. Parmi les qualités aussi du croyant fort, il a toujours cette volonté, l'irada. Il ne baisse pas les bras facilement, malgré les épreuves, malgré les difficultés. D'un côté, il a la confiance en Allah, et c'est Allah qui nous dit « Ista'in billahi wa la ta'jaz » qui veut dire « Demande l'aide d'Allah Azza wa Jal ». Nous devons avoir cette confiance au fond de nos cœurs en Allah, et nous demandons son secours et son aide. Mais en même temps, il faut utiliser tous les causes et tous les moyens qu'on a, que nous pouvons utiliser pour arriver à nos projets. Le croyant fort ne baisse pas les bras facilement devant les épreuves et les difficultés de la vie. Donc il a deux côtés. La première, la confiance en Allah et la demande de secours d'Allah et de l'aide d'Allah Azza wa Jal. Et chaque jour, nous répétons plusieurs fois dans la prière « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in » C'est toi que nous adorons et c'est auprès de toi que nous demandons l'aide et le secours. Malheureusement, quelquefois, nous répétons ce verset d'une façon pas vraiment profonde. Et dans la vie de tous les jours, nous oublions le sens du verset. On n'a pas vraiment cette confiance absolue en Allah Azza wa Jal. Nas'alullah an yarzuqana al-yaqin fihi wa husna at-tawakkul 'alayh. Nous demandons à Allah de nous accorder la certitude al-yaqin, mais aussi la confiance en lui. Donc, je m'arrête là pour aujourd'hui, pour ne pas tarder, et nous terminons ce sujet une autre fois, Inch'Allah. Allahumma ya Rabbal Alameen, ya Arhamar Rahimin, ya Akram al-Akramin. Allahumma arzuqna al-yaqina fiik, wa husna al-tawakkuli alayk. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husna ibadatika ya Rabbal Alameen. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وكن في عون إخواننا وأخواتنا أجمعين اللهم ارفع عنا هذا الوباء وعن الإنسانية أجمعين برحمتك ولطفك يا أرحم الراحمين آمين وصل اللهم وسلم وبارك على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله